Alors, donc on va dériver alors la fonction f2. Je vous rappelle, la fonction f2, elle valait 1, alors moins f, grand f, donc la loi normale, 2s de plus 1, plus 3, grand f de s de moins 1. Le grand f, c'est la loi normale. Oui, cette fonction, elle est définie par une intégrale. Si je la dérive, en fait, je vais retrouver la fonction elle-même, donc la fonction qui est en loi normale 1 sur racine de 2 pi sigma exponentielle 1 moins x2 sur 2 sigma 2. Voilà, donc je la dérive et du coup j'ai trouvé donc alors on a le sigma qui va c'est une fonction composée, donc le sigma on va trouver dans la dérivée, mais ça c'est pas très gênant. Trouver du 1 sur racine de 2 pi sigma. Alors la première fonction, celle qui est en donc pour f2, donc si je dérive grand f de s de plus 1, ça va me faire exponentielle de moins s de plus 1 sur 2 sigma 2 au carré. Moins C'est. Oui, et si vous pouviez monter le son, parce que je vous entends très 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 mal en fait, mademoiselle. c'est moins exponentielle. C'est moins. Oui, moins exponentielle. Oui, alors, moins sigma, c'est ça? Je vous entends très mal. C'est moins exponentielle Oui, de voilà, racine de exponentielle. sigma. Voilà, pour la première, ça vous fait, je vais l'écrire, hein, donc 3, effectivement. Donc exponentielle moins s de moins 1 au carré divisé par 2 sigma 2. Et pour la seconde, donc moins exponentielle moins s2 plus 1 au carré divisé par 2 sigma 2. Donc là, vous avez la dérivée doit s'annuler. Donc lorsque la dérivée s'annule, vous allez avoir l'extrémum. Donc elle s'annule à condition que 3 exponentielle moins s2 moins 1 au carré sur 2 sigma 2 soit égal donc à exponentielle moins s2 plus 1 au carré sur 2 sigma 2. Voilà, vous prenez le log de part et d'autre, donc ça vous fait alors ça vous fait du moins s2 plus 1, hein, je prends le log de l'égalité, s2 carré sur 2 sigma 2, et puis à gauche, ln de 3, et moins s2 moins 1 au carré sur 2 sigma 2. Hein. Vous voyez, je vais trouver comme ça le seuil s2. Vous voyez, par rapport à tout à l'heure, vous avez le log de 3 qui se balade, le fait que la probabilité, vous avez les probabilités d'un caractère qui est le triple de l'autre. Et donc, on va voir que le seuil va se rapprocher du coup vers l'état qui est le moins probable. Voilà, donc je résous. Au carré, moins S2 plus 1 au carré égale 2 sigma 2 ln de 3. Je développe. Donc moins 4S2 égale 2 sigma 2 ln de 3. Et ça vous donne donc 1S2.
2 qui vaut moins 0,07. Voilà, donc vous voyez qu'on sait... Comment ? C'est pas... J'ai trouvé moins 8,6 10 puissance moins 3. Ouais, alors vous avez le sigma 2 qui vaut un huitième. Sigma 2 qui vaut un huitième, ça doit vous faire un huitième de laine de 3. Un huitième au carré. Voilà, et divisé par 2. Je peux le refaire, mais a priori, c'est. Je ne sais pas si ce résultat était bon. Sigma 2, c'est un huitième. Il faut bien prendre l'eau, on n'est pas rien. Divisé par 8, donc ça vous fait un 16e. Un 16e multiplié par log népérien de 3. Ouais, moi j'ai 0,068. Donc j'arrondis à 0,7. Bon, non, moi ça marche. Le sigma 2 vaut un 8e. Voilà, un demi de... Vous avez fait un 16e pour un 8e au carré ? Comment ? Ah, ce n'est pas un 8e au carré, c'est sigma 2 qui vaut un 8e. C'est la variance oui. Qui vaut un 8e. Ben, donc, ça fait un 8e. Un 8e au carré, c'est 1 sur 64 ? Non, non, c'est le sigma carré qui vaut un 8e. C'est pas le sigma. Hein, voilà, c'est la variance qui vaut un 8e dans l'exo. Si vous reprenez le début de l'exo, c'est la variance qui vaut un 8e. C'est pas le... D'accord. Voilà. Donc là, j'ai le deuxième seuil. Alors, vous voyez que ben, du coup, le deuxième seuil se rapproche un petit peu du caractère qui est le moins probable, puisque le deuxième seuil, il se rapproche. On est entre moins 1 et plus 1. Donc, le moins probable des deux symboles, c'est moins 1. Non, le moins probable, c'est moins 1 puisqu'il a une probabilité de 3 16e. Et donc, vous voyez que le seuil se rapproche un petit peu de moins 1. Il n'est pas au milieu, il n'est pas exactement entre 1 et moins 1. Et vous allez voir que ça va être encore plus flagrant pour le S3 parce que le S3, c'est entre BK égale plus 1 et BK égale plus 2, et donc là, pour le plus 1, on a le 16e, pour le plus 2, on a un 16e, vous allez voir que là, du coup, il va se rapprocher, franchement, du BK égale 2, à cause de la faible probabilité. Donc, on dérive, F3, cette fois-ci, par rapport à S3, et donc, on va avoir du 1 sur racine de 2π, sigma. Un facteur de exponentielle moins S3 moins 2 au carré divisé par 2 sigma 2. Et moins 9 exponentielle S3 au carré divisé par 2 sigma 2. Voilà, et ça doit être égal à 0. Voilà, on fait comme on a fait tout à l'heure. Donc, les exponentielles doivent être égales à 0. Je prends le log et je vais me retrouver avec du moins S3 moins 2 au carré sur 2 sigma 2 égale donc log de 9 et moins S3 moins 1 au carré divisé par 2 sigma 2. Voilà, on développe, on arrange un peu tout ça. Donc moins, on va d'abord faire ça au carré, plus S3 moins 1 au carré, égale 2 sigma 2 ln de 9. Je développe, alors les S3 carré partent. On va se retrouver donc avec du
Donc là, de ce côté-là, du 4 S3, et là-bas, du moins 2 S3. Donc, je vais avoir un 4 S3. Voilà, ensuite, c'est 2 4... S3, non ? Comment ? 2 S3. Moins 2 S3, plus 3. Non, 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 j'ai... alors, j'ai 4 S3, puis l'autre côté, j'ai moins 2 S3. Voilà, puis après, pour les termes qui sont carrés, donc ce côté-là, je vais avoir du plus 4, moins 4, et là, un plus 1, donc moins 3. Plus 4, moins 2. Voilà, égale 2 sigma 2 ln de 9. Voilà, et je trouve, ben, comme ça, je trouve le S3. S3, donc sigma 2 ln de 9 moins 3,5, donc le 3 passe de l'autre côté, je divise par 2, plus 1,5. Ça vous donne S3, donc, comme sigma 2 vaut 1 huitième, S3 égale 1,77. Voilà, vous voyez que là c'est net quand même par rapport à. Par rapport à ce qu'on avait précédemment, vous voyez que là on se rapproche franchement du plus 2. Alors vous voyez maintenant, il manque à recalculer la probabilité d'erreur. Donc la dernière chose à faire, c'est recalculer la probabilité d'erreur avec les nouveaux seuils qui ont été optimisés et voir s'il y a une amélioration. Enfin, vous allez voir, il y a une amélioration qui est vraiment notable. Donc, c'est ce qu'on fait ensuite. Alors, avec ces seuils, donc si on reprend l'expression de la probabilité d'erreur, alors on commence par la proba ben du premier caractère. Premier caractère, c'est moins 2. Donc, la proba, c'est 3 16e pour l'apparition du symbole moins 2, enfin, du BK moins 2, multiplié par la proba. Que n soit supérieur à S1 plus 2. Donc là, on a toujours S1, le seuil à moins 5. Donc voilà, ça reste n supérieur à 1,05. Voilà pour le premier. Donc là, ça ne change pas. Ensuite, pour le second, le moins 1. On a toujours une proba de 3 16e. Alors, plus 3 16e. Et donc, il va y avoir une erreur lorsque la proba du bruit n alors, est inférieure à S1 plus 1, S1 donc moins 0,5. Donc, on retrouve la même proba, et plus la proba que n, alors supérieur à S2 plus 1, donc S2 moins 0,07, donc supérieur à 0,93. Pour la deuxième. Ensuite, pour le plus 1, la probabilité du plus 1, 9 16e. Alors, 9 16e multiplié par la proba, alors que n soit inférieur à S2 moins 1, donc petit n inférieur, donc moins 1,07. Et plus la proba. Alors que n soit supérieur à S3 moins 1, donc S3 moins 1, 0,77. Voilà, et puis pour le dernier symbole, sa probabilité d'apparition vaut 1 16e, 2, donc 1 16e, multiplié par la proba.
Que le bruit soit inférieur à S3 moins 2. Donc S3 1,77 moins 2, donc 0,023, moins 0,23. Pas. Voilà, donc il nous suffit de calculer ces probas. Et ensuite, c'est terminé. Voir l'amélioration. Donc la proba que n soit supérieur à 0,5 de par la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées de la fonction de la densité de probabilité de Gauss, on a P supérieur à 0,5 qui est égal à P n inférieur à moins 0,5. Donc, si on avait calculé, on avait vu que c'était 1 moins F, il me semble, sur. Ouais, on l'avait calculé au tout début. Voilà, 1 moins la fonction normale, donc 2,05 divisé par sigma. Divisé par sigma, et ça donnait, ça a été calculé 0,078, il me semble. On avait trouvé 0,078, on l'avait calculé dans la première question. Voilà, ensuite, la proba que n, la prochaine, c'est n supérieur à 0,93. Alors, ben ça vous fait à nouveau 1. F de 0,93 divisé par sigma. Et sigma, c'était, on avait calculé que racine de 1 huitième valait 0,354. Donc 1 moins F de 0,93 divisé par 0,354. 1 moins F de 2, 627. Donc ça, je ne l'ai pas calculé. Là, on va aller, hop, alors donc ça fait 1 moins 2, 627. Donc là, vous reprenez les abacs. Il faut aller rechercher à nouveau les abacs. Alors, ça... Voilà, je vous montre comment on fait. Enfin, voilà. Puis l'autre, je vous la. Voilà, donc la table de valeurs, vous l'avez ici. Donc là, on est sur les grandes valeurs. Ah, donc on serait, alors on a dit 2, 627, donc ce serait cette ligne, et puis 6, 27, donc 6, 27, on va peut-être arrondir à 2, 63, et 2, 63, vous voyez, on serait sur du 0, 9957. Cette valeur-là. Donc 9957, bon, vous avez vu comment on fait. Après, pour des valeurs, voilà, il va y avoir un F de 3 et des poussières. Donc là, il faudra aller dans ce tableau-là pour les grandes valeurs. Et là, on est très proche de 1. C'est notamment le cas lorsqu'on cherche un bruit inférieur à moins 0,107 volts. Voilà, donc là on est sur des grandes valeurs. Alors, je reviens à mon calcul.
Alors, donc 1 moins f de 2,627, donc on a dit 1 moins 0, 9,957, et ça vous donne donc 0,043. Voilà, ensuite il nous manque le P. N plus petit que 1 moins 1,07, donc là ça va être vraiment très proche de 0 du coup, puisque voilà, ça fait un bruit avec une amplitude qui est très élevée, donc la probabilité qu'il soit plus petit en valeur absolue à 1,07 elle va être extrêmement faible. Donc 1 moins f de 1,07 sur 0,354. Donc 1 moins f de 3,023. Voilà, alors si je vais dans la table, 3,023, vous voyez, il faut aller dans la table des grandes valeurs, donc je vais pas y revenir. Ça ne sert pas à grand chose, ce n'est pas très compliqué. On trouve 0,99. 865. Voilà, donc vous voyez que ça ne fait pas grand chose. Donc ouais, ça fait une proba de 0,0135. Voilà, puis il en reste deux autres à calculer, puis je vais vous donner le résultat. Ensuite, vous avez le P que N supérieur à 0,77. Donc 1 moins f de 0,77 sur 0,354. 1 moins f de 275. Voilà, si on fait le calcul, on arrive dans la table, on relève le f de 275 et on trouve que ça vaut 0,0146. Voilà, puis la proba que n soit plus petit que moins 0,23. Donc là, du coup, ça va être la proba la plus élevée. Donc 1 moins f, alors ça fait 0,650. Et donc 1 moins 0,7422, et ça vous donne une proba de 0,2578. Voilà. Mais la probabilité d'avoir... Monsieur, excusez-moi. Oui, je vous écoute. J'ai une question. En fait, quand est-ce qu'on fait 1 moins f et quand est-ce qu'on fait f? Parce que là, par exemple, pour le premier exemple, on a fait comme quoi n supérieur à 0,5, on a fait égal... Voilà, 1 moins f. Et c'est tout le temps ou bien... Non, mais là, il faut faire le changement de variable. Si vous, si vous avez p, vous voyez, on considère, si alpha est positif, si vous avez un alpha positif, donc, si vous voulez, la probabilité alors que n supérieur à alpha va être égal à la probabilité que le bruit, lorsque le bruit est gaussien et qu'on travaille avec la loi normale réduite, vous voyez, donc elle est égale à la proba que n soit plus petite que moins alpha, que l'amplitude de bruit soit plus petite que moins alpha, à cause de du fait que la loi de Gauss est une loi centrée, donc qui est une fonction de distribution qui est paire. Et ensuite, voilà, on fait le calcul, on pose simplement que cette probabilité vaut 1 sur racine de 2 pi. Juste un changement de variable, vous voyez, intégrale de alpha jusqu'à l'infini, donc on avait dit exponentielle, alors de moins t carré sur 2 sigma 2 dt. Voilà. Je fais un changement, j'essaie de me ramener ensuite à la loi normale. Alors, vous voyez, si vous aviez eu la fonction d'erreur, ça aurait été différent, la fonction d'erreur complémentaire.
Donc pour me ramener à la loi normale, ben je repasse et je vous ai montré ce que j'avais fait. Donc j'avais fait 1 sur racine de 2π divisé par sigma. Et ensuite, je l'ascende en 2, c'est-à-dire que j'écris moins l'infini à alpha moins l'infini, plus moins l'infini à l'infini de la fonction. Voilà. Donc là, vous avez... Donc 1 sur racine de 2π sigma, ça donne 1, donc facteur de 1 moins intégrale de alpha à moins l'infini. Et si c'est alpha, c'est négatif? Alors, oui, on fait plutôt le changement de variable, on le fait, oui, excusez-moi. Oui, il faut d'abord faire le changement de variable. Donc, le changement de variable, je le fais ici, je pose T, alors je pose un petit U, ouais, j'aurais dû faire ici. Alors, excusez-moi, racine de. Et puis, donc, on pose petit U ici, égal à T sur sigma. Vous voyez, lorsque j'ai ça, et ça, je le... voilà, donc oui, je vais le mettre ici, ce sera plus simple. Je me devrais, comme ça, j'ai le sigma qui disparaît, vous voyez, ça me donne... voilà, j'ai fait ce changement de variable, U égale T sur sigma, et ensuite, du coup, vous voyez, vous avez le sigma, bon, on peut le réécrire, c'est pas le temps que ça va me prendre. Voilà. Non, en fait, monsieur, c'est pas ça la question, mais c'est toujours 1 moins f, parce que là, parce que des fois, on trouve c'est directement f. Mais oui, alors f... ici, ça va être 1 moins f, si vous voulez, je fais mon changement de variable, et j'ai, vous voyez, donc, lorsque j'ai l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, ça me donne 1, et ensuite, vous voyez, je retourne, vous voyez, donc vous avez ça, alors vous allez avoir votre changement de variable, voilà, vous avez ça. Ici, donc, comme vous avez l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, ça vous donne 1, et puis ça c'est moins la fonction f de alpha sur sigma, d'accord? Oui, quand c'est ça, quand c'est, en fait, quand c'est pas... ouais, je crois que j'ai compris votre question, donc ça vous fait 1 moins, du coup, on trouve 1 moins alpha sur sigma. Alors, qu'est-ce qui se passe, je pense, lorsque vous avez P, c'est toujours si vous avez alpha positif, et lorsque vous avez probabilité que N soit inférieur à alpha, non, c'est pas ça votre question? Oui. Voilà, c'est et ça. Même, hein. Pas uniquement ça, quand est-ce que quand alpha est négatif, on fait comment et... Mais quand alpha est négatif, vous voyez, si vous avez alpha qui est négatif, vous pouvez écrire... la probabilité que n supérieur à alpha, c'est la même que la probabilité que n soit inférieur à moins alpha, parce que la courbe, elle est en cloche. Vous voyez, vous avez ça, votre Pn, la loi de Gauss. Vous voyez, là, cette allure-là. Donc, ici, hein, je l'avais précisé hier. Vous voyez, donc là, j'ai un alpha positif. Lorsque j'intègre de alpha à l'infini, je trouve cette R-là. Et vous voyez, et lorsque je fais, j'intègre de moins l'infini à alpha, j'ai la même R, je suis sur en queue de courbe, si vous voulez. Donc, j'ai probabilité que N supérieur à alpha égale à la probabilité que N inférieur à moins alpha. Et puis là, j'arrive à 1 moins F de alpha sur sigma. Alors, par contre, là où ça change, c'est lorsque N est plus petit que alpha. Donc, lorsque N est plus petit que alpha, vous voyez, sur la courbe de Gauss, vous allez avoir toute cette R, en fait. Si le alpha est positif et vous cherchez N inférieur à alpha, et du coup, ce sera pareil que la probabilité, et ce sera pareil que la probabilité que n supérieur à moins alpha, puisque c'est la même R. Voilà, bien sûr, avec un alpha positif. Et ça, ben, ça va être directement la fonction de Gauss, c'est-à-dire que vous allez écrire 1 sur racine de 2π sigma intégrale de donc inférieur de alpha à moins l'infini
2 exponentielle moins u carré sur 2 sigma 2 du. Donc, quand vous faites votre changement de variable, petit t, vous voyez, vous posez t égale à u sur sigma. Et vous trouvez que ça vous donne directement f de alpha, puisque là, on retrouve donc la loi normale, une fois qu'on a fait réduite lorsqu'on a fait le changement de variable, et ça vous donne f de alpha sur sigma. D'accord ? Donc, avec un alpha positif, vous voyez, le p de n inférieur alpha vaut p de n inférieur, supérieur à moins alpha, et ça, ça vaut f de alpha sur sigma. Et ensuite, donc... pour le n supérieur à alpha ou le n inférieur à moins alpha, c'est 1 moins la loi normale réduite prise en alpha sur sigma. Dans les deux cas, donc j'ai le alpha positif. Voilà, on s'en est servi, hein, on s'est servi de ça déjà pour le calcul des. Voilà, puisqu'on a eu affaire des n supérieurs à un seuil. Et je crois que oui, quand on a ensuite. Recalculer la probabilité d'erreur avec les nouveaux seuils, on a eu à faire également des probas que le n soit plus petit qu'une valeur positive, il me semble, de S1 plus 1. Voilà, donc si le alpha est positif, en tout cas, c'est F de alpha sur sigma. Bon, je ne sais pas si on l'a... Oui, si, on l'a utilisé. On l'a utilisé quand on a fait, vous voyez, pour dans la fonction F1, vous avez un petit n, vous avez un petit n supérieur à S1 plus 2, et vous avez également la probabilité que n soit inférieur à S1 plus 1, par exemple. D'accord. Et puis là, donc on s'est servi de ce qu'on vient de voir là. Voilà, on avait vu ça hier. Alors, rapidement, hein, parce qu'il faudrait quand même que je termine, il y a passé beaucoup de temps. Donc, si on fait le calcul ensuite, donc on refait le calcul de PE. Donc, on a tout. Le 0,23, on l'a calculé aussi. Donc, on a tous les probas. Donc, j'ai mis le 3/16e en facteur. Vous pouvez dézoomer, s'il vous plaît, monsieur. Donc, mes calculs de probas, je les ai faits là. Vous voyez, ce que je refais, c'est le calcul final, c'est-à-dire que voilà, je refais l'application numérique avec le PE. Voilà, si vous voulez noter, je vous laisse un petit peu de temps. Monsieur, vous pouvez aller un peu plus haut, s'il vous plaît. C'est-à-dire redescendre comme ça? Oui. Voilà, vous me dites d'arrêter. Alors, non, encore. On peut faire ça. Si vous y voyez, vous me dites. Comme ça, hop. Voilà, il ne veut plus trop. Je ne sais pas, ça vous va ou vous voulez aller encore un peu plus haut ou c'est suffisant? Un peu plus haut, s'il vous plaît. Vous me dites... À partir des delta F1. Delta F1, on l'a fait la semaine passée. Ouais. Voilà. Après, je reviendrai sur la fin, si vous voulez. Mais ce que je peux faire après, c'est vous envoyer... le lien là du tableau blanc, hein, si je peux. Ouais, ça sera bien aussi, monsieur. Ouais, je vais vous mettre le tableau blanc, comme ça vous pourrez le consulter. Donc vous aurez tout l'exo qui sera disponible. Je vous le mets après. Bon, je termine et puis je vous mets le tableau blanc. Ensuite, j'aimerais faire un peu de cours.
Voilà, si vous voulez voir le bas, là, je vous mets le bas, je termine mon calcul. Oui, s'il vous plaît. Voilà, alors je termine le calcul, il faut quand même que j'avance, je n'ai pas été d'habitude, je vais plus vite sur ce calcul, enfin, sur ce TD. Voilà, donc je fais l'application numérique, vous voyez, donc j'ai le 3/16e qui est facteur voilà, des différentes probabilités que je viens de calculer, de certaines des probabilités. Donc ça vous fait du 3/16e, alors si je mets 3/16e en facteur, facteur de 0,078 fois 2, plus 0,043. Ensuite, vous avez le 9/16e. Dans le 9/16e, vous avez les probas 0,0135 plus 0,0146. Et ensuite, il vous reste la proba de 1/16e. Et là, vous avez une seule, du coup, celle la plus faible, vous voyez, vous avez la grande probabilité, donc celle qui vaut 0,2578. Si vous faites le calcul, ça vous donne 5,5%. Donc, vous voyez que c'est nettement diminué, hein, comparé aux 8% qu'on avait l'erreur. Vous voyez qu'en plaçant les seuils, on a plus que 5,5%, donc en faisant juste que optimiser les seuils. D'accord? Donc c'est plutôt intéressant. Ouais, vous vous souvenez, donc la question 4, hier, on avait trouvé 8% sans optimiser les seuils, on trouve 5,5% maintenant. Alors là, par rapport à la question 7, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre sur les BK pour minimiser encore la probabilité d'erreur? Alors là, il n'y a plus grand-chose à faire, les seuils sont optimisés. La seule chose qu'on pourrait faire, c'est avoir un émetteur qui est plus puissant. Mais vous voyez, un émetteur qui est plus puissant, ça demande plus de matériel et ça demande la possibilité d'émettre aussi une puissance importante. Là, le problème, c'est que vous avez une transmission qui est quaternaire, qui permet d'économiser la bande passante. On a vu que le débit de la bande passante dépendait du débit de symbole. Le débit symbole, c'est le débit binaire, vaut le débit binaire divisé par log binaire de la valence. Donc ici, log de 2. Donc on économise la bande passante, on divise par 2 l'occupation spectrale avec ce code, ce transcodage quaternaire. Par contre, on multiplie les erreurs. Si on n'avait que 2 niveaux, on aurait beaucoup moins d'erreurs. Donc là, la seule possibilité, mais bon, ça c'est voilà, il faut disposer du matériel et puis avoir l'autorisation hein, d'émettre plus de signal. Ce serait donc d'avoir un émetteur plus puissant. Alors avec un émetteur qui serait, du coup, vous voyez, je vais multiplier par 2 les valeurs de BK. Donc ça veut dire que je multiplie la tension par 2, ça veut dire qu'il me faut un émetteur qui soit, mine de rien, 4 fois plus puissant, hein, puisque c'est juste les niveaux que je vais multiplier par 2. Donc, regardez, si je multiplie, alors c'est la 7e question, je vais multiplier les niveaux par 2. Je ne vais pas faire d'optimisation de seuil pour aller un peu plus vite, juste vous montrer ce que ça peut donner. Voilà, donc au lieu de prendre, vous voyez les... Alors, on va prendre x de t, les bk, on les multiplie par 2. Au lieu de prendre moins 2, moins 1, plus 1 et plus 2, on va multiplier par 2, prendre moins 4, ici, moins 4 volts, à la place du moins 2. Ensuite, moins 2 volts. Donc, ce sont les niveaux. Et puis... Là, plus 2 volts et ensuite plus 4. Voilà, donc j'ai doublé le niveau, j'ai doublé les niveaux des BK. Donc j'ai multiplié par 4 la puissance de l'émetteur, ce qui n'est pas rien, ce qui est beaucoup. Et là, en replaçant simplement, en replaçant les seuils au milieu, sans les optimiser. Et donc, je place le S1 ici.
mon 3 volts, le S2 à 0 volts, et puis le S3 au milieu, ici, à plus. S3 à plus 3 volts. Voilà, juste en faisant ça, vous voyez, si on fait un, voilà, ce serait très simple à calculer. Je refais un calcul rapide de la probabilité d'erreur. PE qui va être égal, donc la probabilité. Alors les probabilités ne changent pas. Hein, je crois que pour. Attendez, il faut que je retrouve pour plus 2. Donc là, je crois que c'était un 16e. Ici, un 16e. 9 16e pour celui-ci. Et puis pour les deux autres, il me semble 3 16e. Voilà. Donc si je réécris la probabilité d'erreur, le PE, donc ben pour le premier, pour le moins 4, c'est une proba de 3 16e. Il y a une erreur, vous voyez, si le bruit petit n, donc ce qu'on va recevoir, hein, le signal qui est reçu, le petit r qui est reçu, c'est x de t plus le bruit. Donc il y a une erreur, vous voyez, si le niveau de bruit, si je suis sur le niveau moins 4 volts, j'ai une erreur si l'amplitude de bruit est supérieure à 1 volt. Pour le deuxième caractère, donc le deuxième symbole, le moins 2, donc, qui a la probabilité d'apparition de 3 16e, on va faire une erreur si le bruit est plus petit que 1 volt ou s'il est supérieur à 2 volts. Pour le 9 16e. Ah, donc le niveau plus 2, avec la probabilité 9 16e. Donc on aura avoir une erreur. Donc si ben, le bruit est inférieur amplitude à moins 2 volts, plus la proba que le bruit soit supérieur à 1 volt. Voilà, et pour le dernier, donc le niveau 4 volts, la proba vaut 1 16e. Il y a erreur si le bruit a une amplitude inférieure à moins 1 volt. Alors vous voyez, on se doute que ça, c'est même pas la peine de calculer. Probabilité que n supérieur à 2 ou à moins 2, puisque vous voyez, on va être sur du 1 moins f de 2 divisé par 0,364. Donc, on va être sur 2 divisé par 0,354. Donc, on va être sur du f de quasiment 6. D'accord. Donc là, ça va vous donner 1. Et donc, la proba va valoir 0. Hein, donc, cela, je ne les calcule même pas. Et du coup, ben, j'ai probabilité que n supérieur à 1 inférieur à est égal à la proba n supérieur à 1 égale à proba que n plus petit que moins 1. Donc là, on avait calculé, on avait trouvé 1 moins f de 1 divisé par 354. Ça, j'ai déjà calculé. Ah, et je trouve environ 0,023. D'accord? Ah, et donc le PE 0,023 multiplié par 3 16e plus 3 16e plus 9 16e et plus 1 16e. Alors, vous voyez, la somme de toutes les probas vaut 1 et donc la probabilité d'erreur vaut à peu près 0,023. Donc, vous voyez, ça vous fait du 0,23%. Alors là, on diminue beaucoup la probabilité d'erreur en faisant ça. Donc, je n'ai même pas placé les seuils. Hein. Vous voyez, j'ai juste multiplié par 2 le niveau de signal. Mais bon, ça se fait au prix d'une augmentation de la puissance. On a multiplié la puissance par 2, donc par 10 log en dB. Ça ferait une augmentation de la puissance de 10 log de 4.
Voilà, donc ce qui est quand même considérable. Voilà, mais effectivement, très rapidement, là, les erreurs voilà, diminuent de façon drastique. Hein. On est passé, même avec le placement des seuils, on est passé d'une. On avait un taux d'erreur de 5,5%, on n'a plus que 0,23 et je n'ai pas optimisé les seuils. Voilà ce qu'on pourrait faire. Voilà, on voit bien que plus on éloigne les symboles les uns des autres, bon, bien sûr, moins on a d'erreurs. Voilà. Donc, ce qui était intéressant, c'était surtout la question 6, le placement des seuils pour minimiser la probabilité d'erreur. Voilà. Donc, je vais. Alors, très rapidement, voilà, donc, vous pouvez me dire, vous voyez le nouvel écran, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous le voyez, s'il vous plaît? Dites-moi, ça va? Oui? Oui, oui, d'accord. Voilà, donc, je vais faire un petit peu très rapidement, je vais faire la théorie de l'information pour faire quelques rappels. Certains n'ont jamais fait, donc voilà, c'est intéressant. Donc, c'est extrêmement. Enfin, ce que je vais faire, c'est assez simple. Donc, je vous laisserai lire le polycopier ensuite. Donc sur ce poly, vous avez de la compression anthropique. J'aurai le temps de faire que ça. Et ensuite, il y a la compression avec perte de données pour comprimer la voix et pour comprimer ensuite les images. Donc voilà, je vous laisserai regarder. Voilà, alors je vais reparler un petit peu de la mesure de l'information pour ceux qui ont jamais fait ça. Et puis après, je ferai surtout le TD associé. Je vous laisserai lire tout ça chez vous, à tête reposée, pour ceux qui ne connaissent pas trop. Voilà. Alors, pour les autres, ça risque d'être un peu des révisions. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on mesure l'information donc, lors d'une transmission hein. Donc, vous savez que bon, ce qu'on envoie, on envoie des données d'un point à un autre. Donc, ces données contiennent de l'information. Ben, pourquoi? Parce que le récepteur n'a pas connaissance a priori des données qui lui sont envoyées. Donc, voilà, on a de l'information qui transite. Hein. C'est ce qu'on fait voilà, lorsqu'on fait des communications. Hein, on envoie de l'information qui, a priori, dont l'utilisateur n'a pas connaissance avant de les recevoir. Alors, donc, on va associer ce qu'on fait en télécom, on associe à l'information une grandeur qui va permettre de mesurer la quantité d'information qui est véhiculée par les données qui transitent entre voilà, l'émetteur et puis le récepteur. On se doute qu'un événement qui est très attendu, il va apporter peu d'informations. Par contre, au contraire, un événement qui est inattendu apportera beaucoup d'informations. Voilà. Alors, un événement qui est peu attendu, ben, c'est un événement qui a une faible probabilité d'arriver. Il y a un événement qui apporte, qui est attendu, si vous voulez, il a une probabilité très élevée et donc il apporte peu d'informations. Donc on voit qu'on a entre l'information et puis la probabilité, c'est un petit peu inversement proportionnel. Alors ce qu'on fait en théorie de l'information, on appelle ce qu'on appelle information véhiculée par l'événement A qui a une probabilité d'occurrence PA, la quantité d'information, ça va être un logarithme de 1 sur PA. Alors pourquoi logarithme? Parce que si PA est égal à 1, ça veut dire que la probabilité d'occurrence de A est certaine, l'événement apporte aucune information, et vous voyez bien que log de 1 est égal à 0. Donc, aucune information. Et plus la probabilité va être faible, plus le 1 sur PA va être élevé, plus la quantité d'information apportée par la réalisation de l'événement sera importante. Donc, vous voyez, si vous avez un A qui est certain, la quantité d'information vaut 0, puisque la probabilité est égale à 1. Et si la probabilité d'occurrence d'un événement est supérieure à la probabilité d'occurrence d'un autre événement, l'information véhiculée par le premier va être plus faible que l'information qui est véhiculée par le second. Voilà. Alors, pour les quantités d'information, suivant la base du log qu'on utilise, on dit que l'information est mesurée donc en bits si le log
lorsqu'on prend i égale log de 1 sur pa, si le log c'est un log binaire, donc on va parler d'informations en bit ou en chanon. Si on prend un log népérien, on parlera de NAT, et un log base 10, on parlera de LIT ou d'Hartley. Alors, lorsque vous avez une source qui émet un certain nombre de symboles, donc on va appeler ces symboles d'abord une source discrète, donc vous voyez, avec des symboles qui peuvent être émis, S1, S2, S3, jusqu'à SQ, il y a Q symboles. Donc ces symboles sont émis avec des probabilités P1, P2, P3, jusqu'à P indice Q pour SQ. Donc on peut associer une quantité d'informations à chacun des symboles qui vont être émis. Hein. Donc log de 1 sur PI pour. Alors log de, 1 sur log de P1. Pour S1, sur log de P2 pour S2, etc. Alors, on appelle donc entropie de la source S la quantité moyenne d'informations qui va être délivrée par symbole. Voilà, logiquement, donc pour ça, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'espérance mathématique des quantités d'informations de chacun des symboles. Donc, pour prendre l'espérance mathématique des quantités d'informations délivrées par chacun des symboles, on va prendre le i, indice i, vous voyez, égal à log de 1 sur pi, et on va le multiplier par pi. Donc, en sommant ces différents pi, probabilité du symbole i, multiplié par la quantité d'informations, on a la quantité d'informations moyenne émise par symbole de la source. Alors, voilà, donc cette entropie, voilà, la définition d'entropie, vous voyez, somme, alors, vous voyez, des Ni divisé par grand N, vous voyez, il faut que le nombre d'éléments, enfin, d'événements soit assez grand, mais on va retrouver du coup la probabilité PI. On va noter donc cette entropie, on la note H de S, c'est-à-dire l'entropie de la source grand S. Voilà la quantité d'information moyenne délivrée par symbole. Et donc finalement cette quantité d'information va valoir somme sur i, donc i égale 1 jusqu'à q puisqu'on a q symbole des pi. Pi c'est la probabilité d'occurrence du symbole SI de la source hein, multiplié par sa quantité d'information. Voilà, donc voilà la définition. Ici vous avez la définition de l'entropie d'une source discrète. Discrète, ça veut dire que la source émet un certain nombre de caractères, alors qu'ils peuvent ou pas dépendre les uns des autres. Voilà. Donc, est-ce que ces choses-là, c'est des choses que vous avez tous vues ou pas? Comme ça, je peux aller un peu plus vite, vous me dites. Est-ce qu'il y en a qui ont jamais vu cette notion d'entropie d'une source? Ouais, vous avez pas vu, mademoiselle, c'est ça? Oui. Oui, non? Si, j'ai vu ça. Vous avez vu ça? Qui n'a jamais vu ça? Donc, tout le monde a vu ces choses-là, donc je peux aller assez vite? Non. Vous avez pas vu, vous, mademoiselle? Oui. D'accord, bon. Voilà, donc vous aurez un poli, je vais quand même aller assez vite parce que je pense que la plupart ont vu ça. J'ai juste un petit TD où je refais, voilà, où on revoit des méthodes de compression entropique. Voilà, donc je vais quand même aller assez vite parce que la plupart d'entre vous l'ont vu. Et puis vous aurez, je ne veux pas y passer trop de temps parce qu'après il y a des choses à faire sur les codes correcteurs. Donc voilà, je redonne quelques définitions. Donc là, ici, vous avez donc la définition de l'entropie d'une source discrète. Voilà, donc le H de S, somme de I. L'espérance mathématique, si vous voulez, des quantités d'informations délivrées par chacun des symboles.
Alors, si les symboles sont indépendants les uns des autres, donc sont délivrés sans moi, on parle d'entropie d'ordre zéro. Et ensuite, si vous avez une corrélation, une loi de dépendance des symboles successifs émis qui peut aller jusqu'à R symbole, c'est-à-dire que dans le symbole qui apparaît, il y a l'influence des R symboles précédents, si vous voulez. Et donc, dans ce cas-là, on dira qu'on a l'entropie de la source, elle est d'ordre R parce qu'il y a une dépendance par rapport à des caractères qui sont déjà apparus. Donc, effectivement, ce type de source avec une dépendance à l'ordre R apportera moins d'informations qu'une source dont l'entropie est d'ordre 0. Alors, pour une source qui contient Q symbole, l'entropie est toujours comprise entre 0. Donc, elle est de 0 quand vous avez un symbole qui a une probabilité d'émission de 1, la quantité d'information vaut 0, l'entropie vaut 0. Et l'entropie, elle est maximale lorsque les caractères sont émis indépendamment les uns des autres, on s'en doute, et qu'ils sont émis et qu'ils sont émis de façon équiprobable. Vous voyez, donc si le PI vaut 1 sur Q, on va se retrouver avec on a Q caractère, donc une équiprobable 1 sur Q, donc un PI égale 1 sur Q, multiplié par log de Q. Vous voyez, on somme de I égale 1 jusqu'à Q et on trouve que au maximum, la quantité d'information moyenne qui est donnée par chacun des symboles vaut log de Q, hein, le maximum, donc lorsque chacun des caractères est équiprobable. Ici, vous avez la définition de la quantité d'information d'une source qui émettrait de façon continue avec des caractères avec une certaine densité de probabilité. On va faire une intégrale de moins l'infini à plus l'infini de P de X, log de P de X. Donc P de X, c'est la quantité de la densité de probabilité de la source, d'accord, ou la distribution de la loi de distribution de la source. Voilà pour une source dite continue. Voilà, alors en termes de traitement de l'information, de théorie de l'information, voyons, on peut avoir deux points de vue. Alors, dans la mesure où vous avez un canal de transmission qui est sans bruit, pas d'altération des données, ou que vous ayez un processus de correction parfait, bien sûr, il va être intéressant de transmettre des messages les plus compacts possibles pour avoir un débit plus faible et donc économiser au maximum la bande passante du support. Alors, cette préoccupation, elle va aboutir au premier théorème de Shannon, théorème des canaux sans bruit, que vous avez dû peut-être voir, qui prouve l'existence de codes compacts associés à une source d'entropie donnée. Donc, il y a une limite théorique dans la taille des mots-codes qu'on va voir. Et au contraire, si le canal est affecté par du bruit, il peut être utile de concevoir des messages dans lesquels il existe une certaine redondance qui permet ensuite une correction d'éventuelles erreurs à la réception. Donc ça, c'est des corrections qui sont faites à la réception. Alors, on dit de type FEC, on envoie une certaine redondance sur les caractères, l'information émise, et puis on peut faire une correction à la réception. Alors, vous voyez que là, c'est l'effet inverse de la précédente. Le fait d'avoir des bits redondants lorsqu'on fait un code correcteur directement sur le message à envoyer, on augmente au contraire les bits nécessaires pour envoyer de l'information. Donc ça se traduit par, si on veut travailler en temps réel, par une augmentation du débit et donc de l'occupation spectrale. On va occuper
occuper plus de bandes passantes. Voilà. Et là, on aboutit. Voilà, donc ça va demander une capacité plus importante pour le canal. On aboutit au deuxième théorème de Shannon, le théorème des canaux bruyants, qui prouve l'existence de codes correcteurs associés à une source et un canal, et qui va donner également une taille théorique qui est associée directement à une certaine probabilité d'erreur. Donc nous on va s'intéresser donc au codage de l'information, voilà, donc au code compact énoncé le premier théorème de Shannon, et ensuite on va modéliser des canaux affectés par du bruit, et on donnera le deuxième théorème de Shannon et son application au code correcteur. À ne pas confondre les théorèmes de Shannon avec, je l'ai mis en bas, avec le théorème de Nyquist-Shannon sur l'échantillonnage, c'est pas la même chose. Alors, le codage d'une source, c'est une application qui, grâce à un alphabet, va nous permettre de coder chaque symbole issu d'une source. Donc, on part, alors dans mon cours, là, je suis parti d'une source qui contient un symbole, d'un alphabet de codage qui contient M symbole, et ensuite on a une application entre les symboles de la source et puis des symboles du code qui vont permettre d'affecter un code à chacun des symboles de la source. Ce qu'on essaie bien sûr, c'est de réduire au maximum pour un alphabet donné, une source donnée. On va voir comment réduire au maximum la taille des mots-codes associés à chacun des éléments de la source. Et en particulier, vous voyez qu'on a intérêt d'associer les mots les plus longs aux caractères qui sont les moins probables et les mots les plus courts aux caractères qui sont très probables, de manière à réduire un petit peu le débit binaire pour travailler en temps réel. Il y a un certain vocabulaire par rapport au codage. Alors, l'opération codage, je le note avec un signe supérieur. Voilà, alors on parle de régularité du codage. Un codage irrégulier, si deux symboles distincts de la source ont deux codes différents. Vous voyez donc un exemple, un contre-exemple ensuite. Un code régulier, un code singulier. Un code déchiffrable. Et la déchiffrabilité, un code déchiffrable, c'est toutes les séquences codées de longueur donnée correspondent à un symbole ou à une séquence de symboles donnés unique, hein, qui n'a pas possibilité de faire des erreurs. Hein, voilà. Alors, par exemple, vous voyez le premier codage, on a BC qu'on a codé avec 1, B, 2, 3 et puis 1, 4. Celui-ci est déchiffrable. Par contre, si je code A avec 0, B avec 1, et c'est avec 0, ce n'est pas déchiffrable, puisque quand on a 0, 1 qui va arriver, on peut se dire que c'est soit C ou soit A et B qui arrivent. Alors après, il y a la notion d'instantanéité aussi pour un codage. Un codage est dit instantané. Si aucun code de symbole n'est le préfixe d'un autre code de symbole, préfixe, ça veut dire le début d'un code de symbole. Dans ce cas, le décodage peut se faire, on dit qu'il s'est fait au fil de l'eau, à mesure que les codes arrivent au niveau du récepteur. Vous voyez que, par exemple, si j'envoie 1, 2 et puis 3, 1, j'ai un code instantané, puisque 3 suivi de 1, ça ne peut pas être le 1, ça ne peut pas être le A, parce que le 3 seul n'existe pas, et le 3, du coup, le 3 suivi de 1, c'est forcément le C. Donc, vous voyez qu'un code doit être déchiffrable et instantané. Voilà, alors, une condition nécessaire et suffisante pour qu'un code soit instantané, c'est qu'aucun mot-code ne soit le préfixe d'un autre mot-code. C'est-à-dire que dans le début du mot-code, vous ne devez pas avoir déjà un code de notre symbole. Alors ça, vous avez dû voir également l'inégalité de Kraft-Macmillan.
C'est une condition nécessaire et suffisante sur un code, sur les longueurs des symboles d'un code, pour que le code soit déchiffrable et donc on peut généralement en faire un code instantané. Donc si vous avez, alors, si vous avez une source avec un symbole, si on a des longueurs LEI pour chacun des symboles SI, si on est, si M correspond au nombre de symboles de l'alphabet du code, donc des symboles qui vont permettre de coder. Vous voyez, donc N, c'est le nombre de symboles de la source, et M, c'est le nombre de symboles de l'alphabet du code. Si la relation de Kraft est réalisée avec ces longueurs de code, les longueurs LI, on peut en faire un code qui est déchiffrable ou instantané. Voilà, donc si vous avez la somme des M puissance moins LI qui est inférieure à 1, on peut toujours se débrouiller pour en faire un code déchiffrable et instantané. Voilà, alors là, c'est des petits exemples. Hein. Voilà, je passe rapidement dessus. Voilà, je vous laisserai vérifier que vous avez une petite règle ici qui vous permet de voir si un code est déchiffrable. Voilà, donc ça, je vous laisserai le lire chez vous. Voilà, alors ce qu'on appelle longueur d'un code, issu donc d'un code des caractères d'une source S, donc c'est l'espérance mathématique des différentes longueurs des symboles de la source, hein, les longueurs obtenues par codage de chacun des symboles avec les symboles de l'alphabet X qui généralement contient M symboles. D'accord? Donc, vous voyez, on fait une espérance mathématique des différentes longueurs des symboles. Donc, on multiplie la probabilité d'occurrence d'un symbole par sa longueur. Et donc, on a une longueur moyenne. Hein, donc, longueur du code associée à chacun des symboles. Et ce qui permet de coder les symboles, ce sont les symboles d'un alphabet, de l'alphabet X, qui contient généralement, pour nous, donc N symboles pour la source et puis M symboles pour l'alphabet X qui va permettre de réaliser le codage. D'accord? Donc, expérience mathématique, la longueur moyenne du code, DLI. Alors... au niveau des codes compacts, un code compact, c'est un code qui va être, par rapport à un alphabet donné, qui va être le plus court possible, tout en étant déchiffrable. S'il est déchiffrable, on peut en faire un code instantané. Alors, si un code est instantané, on aura toujours, et déchiffrable, on aura toujours sa longueur moyenne du code, supérieure à l'entropie de la source divisé par le logarithme qu'on a pris pour la source du nombre M de symboles qu'on a dans l'alphabet. D'accord? On aurait pu dire, voyez, également L supérieur à l'entropie avec le log en base M. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, si mon alphabet, si l'alphabet est binaire, l'alphabet binaire, ça veut dire que X, le nombre de symboles de l'alphabet, vaut 0 et 1. Dans ce cas-là, la longueur du moyenne du code des symboles de la source doit être supérieure à l'entropie en base 2, si vous voulez. Donc, l'entropie, dans ce cas-là, va s'écrire H de S égale somme sur I, I égale 1 jusqu'à N, dpi log base 2 d1 sur pi. Voilà, donc, vous voyez, par rapport au premier théorème de Shannon, on travaille toujours avec le logarithme qui est dans la base du nombre de symboles de l'alphabet du code. Hein, de X, c'est l'alphabet du code.
Alors, ce qu'on peut montrer facilement, c'est si les probabilités des symboles peuvent se mettre sous la forme, on le montrera plus tard, PI égale M à la puissance moins LI, alors ce code est absolument optimal, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver des longueurs LI qui soient plus faibles que les longueurs qu'on a trouvées. Voilà, alors un code compact, c'est un code de longueur minimale et la longueur moyenne du code est toujours comprise entre, ici vous voyez, entre HS, donc ça c'est la borne inférieure, et HS plus 1, donc toujours entropie bien sûr calculée avec le log dans la base du nombre de caractères de l'alphabet du code. Voilà, donc toujours. Alors, donc du coup, l'efficacité d'un code, ça va être le quotient de l'entropie divisé par la longueur du code. Et plus celui-ci va se rapprocher de 1, plus on se rapproche de la limite entropique. Voilà. Alors, donc bien faire attention, bien pas, voilà, calculer dans ce cas-là l'entropie avec le logarithme du nombre de symboles de l'alphabet du code, hein, du nombre de symboles de l'alphabet X du code. Hein, souvent, c'est le code binaire 0,1. Alors, vous voyez ce qu'on peut faire pour se rapprocher vraiment de la limite entropique. On peut, alors, on est parti. On a des symboles de la source en nombre n et on a un alphabet de code x. Hein, donc s, ce sont la source, donc les symboles, la source contient les symboles à coder, s1, s2 jusqu'à sn10en. Et ensuite, on code grâce à un alphabet qui est constitué de symboles qui appartiennent à x. Et donc, on a m symboles pour coder. Voilà. Donc on vient de voir que la longueur moyenne du code, pour qu'il soit déchiffrable, peut toujours être comprise entre donc l'entropie en base m et puis l'entropie avec le log en base m plus 1. Alors, comment se rapprocher vraiment de cette limite entropique? La limite entropique, hein, c'est le h de s avec le log dans la base du nombre de symboles de l'alphabet. Alors pour ça, ce qu'on peut faire, c'est au lieu de considérer directement les symboles de la source S, on va faire des combinaisons de symboles de S. On va les prendre par séquence de Q symboles. On va les regrouper par séquence de Q symboles. C'est-à-dire que vos symboles, vous pouvez les prendre par 2. Là, vous feriez une source S indice 2. Vous pouvez les prendre par 3. Votre les combinaisons, une source S indice 3. Et donc, c'est ces blocs de Q symboles qu'on va coder. Donc, on considère la source S initiale comme une autre source qu'on appelle SQ, donc qui est constituée de toutes les combinaisons possibles de Q symboles de la source. Et du coup, dans ce cas-là, l'entropie de la source, HS au départ, donc l'entropie de la source HSQ, hein, donc celle qui est constituée de toutes les combinaisons possibles de Q symboles, elle va valoir Q multiplié par HS, bon, avec bien sûr une source sans mémoire, hein, parce que à cause de la propriété d'additivité des entropies, hein, issues de, voilà, des quantités d'informations de chacun des symboles. Donc du coup, la nouvelle longueur des mots, ça va moyenne, ça va plus être elle, puisque les symboles de la source sont constitués de SQ, de combinaisons de Q symboles de S. Donc elle sera a priori la longueur par rapport à la longueur moyenne initiale sera Q fois plus grande que la longueur de la source avec des caractères simples. Hein, voilà. Donc, on aura plutôt une source qui sera égale à Q fois L. Alors, du coup, on se retrouve avec le LQ, la longueur moyenne
des caractères de la source SQ qui va être compris entre l'entropie de la source SQ et l'entropie de la source SQ plus 1. Alors, ce que je peux faire ensuite, c'est diviser l'entropie de H, SQ, c'est Q fois HS, si les caractères sont indépendants. Donc, vous voyez que si je divise par Q, je me retrouve de part et d'autre de l'égalité avec l'entropie HS, si vous voulez, à gauche, LQ sur Q, c'est-à-dire la longueur moyenne du code par symbole de la source, et de l'autre côté à droite, vous voyez HS, donc l'entropie en base M, plus 1 sur Q. Et vous voyez que plus Q va être grand, plus on va coder les caractères de la source par bloc avec une valeur Q qui est grande. Donc, on peut commencer par coder les symboles 2 par 2, puis 3 par 3, etc. Si on fait tendre Q, si le Q est assez grand, on voit que la limite entropique, ça devient directement H de S. C'est-à-dire qu'on peut, en codant par bloc de Q symbole, on peut toujours se rapprocher autant qu'on veut de la limite entropique. La limite entropique, c'est H de S avec donc le logarithme en base de M. Donc ça, c'est le premier théorème de Shannon, c'est-à-dire qu'on peut toujours arriver à la limite entropique, c'est-à-dire avoir une compression donc sans perte d'information, égale à H de S, une longueur moyenne égale à H de S, à condition de coder les symboles de la source par bloc de Q symboles. Si Q est assez grand, le L sur Q divisé par Q, c'est-à-dire la longueur moyenne par symbole tend vers H de S. Il y a un petit exemple extrêmement simple. Vous avez une source, vous voyez, qui débite des 0 et des 1 avec des probabilités de 0,8 pour le 1 et 0,2 pour le 1. Alors, vous voyez que si on envoie les bits tels quels, on envoie 0 et 1, la longueur moyenne du code, c'est 1. Alors, par contre, ça n'a pas trop d'intérêt. Pourquoi ? Parce que vous voyez que l'entropie de cette source, vous voyez, si je fais, j'applique la définition de l'entropie, HS égale leur somme des PI, donc 0,8 pour le P0, la probabilité du 0,8 de 0, c'est 0,8, multiplié par log, alors je vais prendre log base 2, log binaire, de 1 sur 0,8, donc je fais mon calcul d'entropie. Plus la proba d'avoir un 1, c'est, elle vaut 0,2. La quantité d'information donc, associée au 1, elle va valoir log binaire de 1 sur 0,2. Vous voyez que j'ai calculé mon entropie en base 2, parce qu'ensuite, je vais faire un codage. Je vais recoder les différents caractères. Je vais les recoder en binaire. Voilà, je trouve, si je fais ça, je vais trouver 0,72. C'est-à-dire que je peux arriver à un taux de compression de 0,72. Une longueur moyenne par bit de 0,72. Alors, comment je vais faire pour arriver à ce résultat-là? Je peux, au lieu de considérer la source 0,1, maintenant, je vais considérer une source qui est constituée de toutes les combinaisons possibles de 2 bits. Voilà. Alors, regardez, je fais... Donc je prends 0,0. Comme première possibilité, après je peux avoir 0,1, j'ai quatre possibilités, 0,1, 1,0 et 1,1. Donc là, j'ai créé une source qu'on pourrait appeler S indice 2. Et puis, j'ai fait un codage, je ne vous donne pas encore la méthode de codage, mais là, c'est ce qui est fait ici, c'est un codage et on le voit assez facilement, a priori. Ici, on a un code qui est déchiffrable, on voit que le code est déchiffrable. Alors, vous voyez que ce code-là, on verra comment faire. C'est un code compact. On associe, vous voyez, le mot qui est le plus long à la combinaison qui est la moins probable. Vous voyez, la combinaison la moins probable, c'est 1 et 1.
0,2 fois 0,2, 0,004. Hein, ouais. Alors, donc, si je fais ça, je fais ce codage-là, je refais un calcul de L2. Vous voyez, je recalcule L2. Alors, pour calculer L2, à partir du cône, hein, vous voyez, donc, ben, je vais avoir, d'abord, j'ai le 0,0 qui est codé avec un 0. Donc, 0,0, ça apparaît avec une probabilité de 0,64. Voilà, multiplié par la longueur ici 1. Le deuxième possibilité de, en faisant, si je considère la source S2, ben 0,1, donc la probabilité d'occurrence de 0 puis 1, ben c'est le produit des probabilités, donc 0,16. 0,16 ben, multiplié par 2. Maintenant, la longueur de 0,1, enfin le code de 0,1, c'est 1,1. La longueur vaut 2. Ensuite, je prends ce symbole donc, issu de la source S2, là, enfin, si vous voulez, la combinaison de symboles 1,0 issu de la source S2. Elle a une probabilité de 0,16 et le code associé à une longueur de 3. Et pour le dernier, donc le 1,1, la proba d'avoir 1 et 1, 0,2 fois 0,2, donc 0,04, et la longueur vaut 3. Donc si je fais mon calcul, je trouve que L2 vaut 1,56, c'est-à-dire qu'on a une longueur de 1,56 symbole de l'alphabet pour coder les symboles de la source S2. Donc, 1,56 bits pour 2 bits, si vous voulez. D'accord. Et donc, si je reviens à L1, donc ça, c'est pour L2, ben 1,56 divisé par 2. Et vous voyez qu'on a une longueur moyenne, ici, de 0,78 bits de code par symbole de la source. Donc, vous voyez que j'ai compressé pas mal l'information en faisant ce code compact. Si j'avais rien fait, j'ai une longueur de 1, ici j'ai une longueur de 0,78, donc vous voyez que voilà, on a 22% de longueur en moins, ce qui est quand même assez intéressant. Au départ, on a un débit de 1000 bits par seconde, on pourrait passer en temps réel à un débit de 780 bits par seconde, on enverrait toujours la même quantité d'informations. Voilà. Alors ensuite, on a réalisé, ouais. Vous voyez, on a été plus loin, au lieu de prendre une source S2, on a fait la source S3, c'est-à-dire qu'on va recoder les symboles de la source S, mais pris 3 par 3. Donc, vous avez 8 combinaisons possibles. L'alphabet du codage, ça reste 0,1. Et on a fait, vous voyez, on a fait un code compact. Donc, on pourrait montrer que c'est un code qui est déchiffrable. Alors, voilà, on ne s'attarde pas pour l'instant sur la méthode. Donc là, vous voyez, donc j'ai les symboles ici de la source S3 dans la première ligne. Et ici, je suis sur les symboles de S3. Et en bas, j'ai le code associé. Le code associé à chacun des symboles, avec toujours un code binaire. Donc vous voyez que la combinaison qui est la moins probable, c'est 0 suivi de 0 et de 0, puisque la probabilité, ça va être 0,2 fois 0,2 fois 0,2. Donc, ça va être du 2, au cube, du 8, 10, moins 3. Et j'associe le code qui a été réalisé, on ne connaît pas encore la méthode, donc associe un seul caractère à ce symbole. Voilà. Et puis après, on est sur des symboles qui sont de plus en plus probables. Je vous dis bêtises. Le premier symbole, c'est le plus probable, hein, puisque ce n'est pas 0,2, c'est 0,8. Hein, donc là, on aurait du 0,8 au carré. Donc voilà, c'est 0,8 au carré. Donc ça, c'est le plus probable. Donc on y associe le code le plus court. Et puis le dernier, qui est le moins probable, c'est celui qui aurait une probabilité ici, le dernier, de 0,2 au cube. Donc de 8, 10, moins 3. Et là, vous voyez que vous avez le code de plus grande longueur. Voilà. Alors, il faut admettre que c'est un code qui est déchiffrable et instantané. Et là, si on refait le L3, alors je vous le passe, hein, pour faire le L3, la longueur moyenne du code, donc je vais faire
Pour le premier, j'ai une longueur de 1 pour le premier code avec une probabilité de 0,8 au cube. Ensuite, j'ai une longueur 3 avec une probabilité de 0,8 fois 0,8 fois 0,2, etc. Si je fais ça, vous voyez que je suis à 2,19. Et si je divise, comme mon code il est sur 3 bits, je divise par 3 et vous voyez que je suis à 0,73 bits de code par bit de symbole de la source. D'accord ? Vous voyez qu'on a, on est quasiment, on approche la limite de Shannon qui est à 0,72, on est à 0,73. Donc, vous voyez qu'on comprime encore un petit peu l'information, hein, on se rapproche de la limite entropique en faisant, au lieu de coder des éléments directement de la source, on code les éléments 2 par 2, 3 par 3, on aurait pu aller encore au-delà, ce n'est pas forcément nécessaire parce qu'on est déjà à 0,73, et comme ça, on va se rapprocher de la limite entropique, hein, qui est le premier théorème de Shannon. D'accord ? Tout ce que j'ai fait un peu vite. Est-ce que vous m'avez suivi ou vous êtes endormi ? Dites-moi. Vous m'avez suivi un peu ? Monsieur, ce code, c'est le codage Hoffman ou... Voilà, c'est un code de Hoffman ou un code de Shannon-Fano, par exemple. Hein. On peut arriver à ce type de codage. On va faire quelques exemples en TD, vous allez voir. Et effectivement, c'est un code de ce type-là. Ce n'est pas forcément Hoffman, hein. Ça peut être Shannon-Fano. Enfin, il y en a d'autres. Mais bon, c'est des codes qui permettent de se rapprocher comme ça de limite anthropique. En fait, ce qu'on fait, on va classer les symboles moins probable. Plutôt du plus probable au moins probable, de manière, enfin, ça dépend comment vous le prenez. Généralement, si vous faites un arbre de l'algorithme de Hoffman, vous mettez le code qui est le plus probable en haut, et puis effectivement, les moins probables, vous les mettez en bas, de manière à associer les codes les plus courts aux caractères qui sont, enfin, aux symboles qui sont les plus probables. Voilà, on se rapproche ainsi de la limite anthropique. Voilà. Alors, on peut faire, voilà, on fera quelques exemples. Voilà, je vais vous parler de deux, trois choses en plus par rapport à l'année dernière. Donc, effectivement, on pourrait faire quelques algorithmes de Hoffman avec des alphabets qui sont binaires ou des alphabets ternaires, etc. Alors, effectivement, vous l'avez plus ou moins tous vu. Voilà, un algorithme de Hoffman avec un alphabet binaire, on range les symboles par probabilité décroissante. Ça signifie qu'en haut, je vais avoir les plus grandes probabilités, puis en bas, j'aurai les plus petites probabilités. Si l'alphabet est binaire, on rassemble les deux probabilités les plus faibles en une seule, on reclasse, c'est-à-dire que voilà, on vient remettre dans l'ordre des probabilités de manière à avoir des probabilités décroissantes. Voilà, etc., jusqu'à arriver à la racine de l'arbre, c'est-à-dire arriver à une probabilité. Vous voyez, on recompte, on arrive à une probabilité jusqu'à ce qu'on n'ait plus que, si vous voulez, deux probabilités dont la somme vaut 1, et on est arrivé comme ça à la racine de l'arbre, et ensuite on va coder. Alors on va partir, vous voyez, on part de la droite et on va comme ça en descendant pour trouver les différents codes. Alors, vous codez avec 0,1 au départ, vous mettez 0,1, 0,1 sur chaque flèche, etc. Et vous allez retrouver le code. Alors, vous voyez que ici, votre symbole E, qui avait la probabilité la plus faible, D également, se retrouve avec les codes qui sont les plus longs, les symboles les plus probables, avec les codes les plus courts. Voilà. Alors, ensuite, on peut faire des algorithmes de Hoffman avec des alphabets quelconques, ternaires ou quaternaires. Ce qu'on fait, dans ce cas-là, si c'est ternaire, on va rassembler les symboles 3 par 3, quaternaires 4 par 4, etc. Donc, faire en sorte quand même que le N, c'est-à-dire le nombre de symboles à coder, soit égal à M plus KM moins 1, M, c'est le nombre de symboles de l'alphabet du code, de manière à ce que, voilà, on arrive à la fin, on puisse rassembler les trois derniers symboles, enfin qu'on ait M symbole à la fin. Voilà, donc si ce n'est pas le cas, si on n'a pas cette relation-là, si on n'a pas N égale M plus K multiplié par M moins 1, on ne pourra pas rassembler, vous voyez, se retrouver à la fin avec à la fin de l'arborescence, avec M branches qui vont rester. Donc là, dans ce cas-là,
on rajoute des caractères fictifs de probabilité nulle, voilà, de manière à avoir cette relation qui est vérifiée. Voilà, alors, en pratique, vous avez les algorithmes de Huffman ne sont pas figés comme vous avez l'habitude de faire. C'est plutôt des algorithmes de Huffman dynamiques. C'est-à-dire que la probabilité des symboles envoyés peut varier au cours de la transmission. Et l'algorithme de Huffman, si vous voulez, va s'adapter. C'est-à-dire que la longueur des symboles, du code des symboles, va s'adapter au cours de la liaison, au cours de la communication. Voilà, vous avez plutôt un algorithme de Huffman dynamique. Donc là, vous en avez un exemple ici, donc je vous laisserai le voir chez vous. Hein, vous avez donc une source voilà, qui émet différents caractères. On fait des codes initiaux et puis les codes en fonction de la probabilité d'occurrence de chacun des symboles. Vous voyez, les codes courts vont être affectés à des codes qui reviennent souvent et puis les longs à des codes qui reviennent assez peu souvent. Donc, c'est un algorithme dynamique. Voilà, donc, le code évolue au fur et à mesure de la communication. Voilà, après, vous avez dans le même style, vous avez un autre algorithme, qui est l'algorithme de Fanon-Shannon. Là, en fait, on regroupe, on a une source, on essaie de faire deux tas d'abord de symboles, si vous voulez, on les met par probabilité croissante. Ensuite, on essaie de faire deux groupes de symboles avec des probabilités à peu près égales. Chaque groupe, on essaie de les rediviser avec des probabilités à peu près égales, etc. Et puis, voilà, on code en respectant la règle du préfixe, un peu à la manière de l'algorithme précédent. Donc, on verra ça, j'en ferai un exemple en télé. Alors, après, vous avez des algorithmes qui sont plus intéressants, qui sont du codage arithmétique, voilà, qui est extrêmement intéressant, des codes par bloc. Donc, il y a des choses très intéressantes que je n'aurai pas voilà, le temps de développer cette année. Voilà, que je vous laisserai voir. Après, vous avez voilà, des dictionnaires aussi de codage. Enfin, on verra ça un petit peu. Je vous indiquerai ça en télé, mais je ne vais pas y passer trop de temps parce que je pense que j'ai un petit peu moins de cours que l'année dernière et puis on va un peu moins vite en distanciel comme ça. Donc ça, je vous laisserai le lire. Alors, pour ceux que ça intéresse, ensuite, vous avez voilà, de la compression avec perte d'information. Donc là, lorsqu'on fait la compression entropique, on essaie de se rapprocher de la limite de Shannon. On n'a pas de perte d'information. Donc, pour certains, vous voyez, pour envoyer par exemple des données qui sont issues d'un exécutable, des choses comme ça, il ne faut pas de perte d'information. Et puis après, vous avez des données qui se prêtent à une certaine perte d'information, notamment la voix, la vidéo. Et donc, dans ce poly, voilà, vous allez trouver ensuite de la compression. Avec également perte d'information. Donc là, d'abord, sans perte d'information. Et puis, voilà, oui, je voulais, dans le télé, vous avez également un codage de type l'impulsive Welsh, là, noté LZW. C'est du décodage qu'on utilise pour des formats GIF, par exemple. Donc, ça peut être ou du zip, ouais, on fait du zip comme ça, là, des formats de compression zip, donc c'est assez intéressant, donc c'est simple à voir, donc là, vous aurez l'occasion de pouvoir consulter, je verrai si j'ai le temps d'en faire un en télé. Voilà. Donc là, plutôt des codages sans perte d'information, et puis ensuite, voilà, on passera sur les codes, ici je crois. Voilà, les codes avec perte d'information, donc notamment le son et puis les images. Voilà, bon, vous ne serez pas interrogé sur ces choses-là, mais enfin, sur les compressions avec perte d'information. Mais pour votre culture, c'est assez intéressant. Hein, voilà, vous pouvez lire. Hein, donc, c'est des choses qui sont bien sûr utilisées pour des télécoms, en particulier les télécoms mobiles. Voilà, donc là, je vous laisserai lire tout ça. Voilà, donc sur ce, ouais, c'est assez intéressant de voir comment on code l'audio, les sons issus de la voix, voilà, en fonction de certains types de sons. Donc là, je vous laisse voir tout ça, la compression de l'image également.
Voilà, donc si vous voulez, on va passer au TD. Donc j'ai un TD qui est associé à ça, où je refais quelques codes de Huffman, de Fanon, Chanot, pour ceux qui n'ont pas vu ça, voilà, calculer un peu la limite anthropique, refaire encore une source de par bloc, hein, en associant les caractères 2 par 2, 3 par 3, voir qu'on améliore la compression, se rapproche de la limite anthropique, etc. Voilà. Donc, si vous voulez, ce qu'on peut faire, c'est faire une petite pause d'un quart d'heure. On se retrouve dans un quart d'heure et puis je vous. Voilà, on peut chercher. Ensuite, on cherchera un petit peu les TD pour terminer la séance. Voilà. Hop. Voilà, donc le caractère le moins probable, la combinaison la moins probable, ça va être 1 et 1, puisque la probabilité de 1, c'est 0,3, celle de 0, 0,7. Donc ensuite, 0,1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Et puis 1, 0, 0, on les classe par probabilité croissante. Et puis il en reste 2, ça en fait 8 en tout. Et pour terminer, 0, 0, 0. Voilà, donc la probabilité, vous voyez, du premier, ça vous fait donc du 0, 0, 3 au cube. Donc ici, j'ai 0, 0, 27 de proba. Ici, donc 0, 8. Monsieur, excusez-moi. Oui. Pardon, vous l'avez classé comment par probabilité croissante, on met les probabilités des. Enfin, ça dépend si vous partez du haut ou du bas, mais en tout cas, en bas, je mets les probabilités les plus faibles, et puis en haut, les probabilités les plus hautes. Et chaque fois, je vais reclasser. Vous voyez, je vais. Pour affecter, en fait, ce qu'on cherche à faire. Hasard, ouais. Comment vous l'avez, voilà. C'est au hasard? Non, pas au hasard, regardez. Non, parce que la probabilité d'avoir un 1, c'est 0,3. La probabilité d'avoir un 0, c'est 0,7. Et on constitue oui, une sous. Oui, mais en fait, par exemple, pour le deuxième, troisième, quatrième, c'est quoi? Ah oui, après, là, ça n'a pas d'importance. Vous l'avez fait au hasard? Voilà, là, après, il y aura le même code, donc ça, la même longueur de code, donc ça n'a pas d'importance, vous voyez. Ce qu'il faut, c'est ils vont avoir les trois prochains, ils vont avoir la même probabilité. Donc, vous les mettez comme vous voulez. Et puis ensuite, les trois où il n'y a qu'un seul un, également la même probabilité. Donc là, vous les mettez où vous voulez, ça, absolument. En fait, vous pouvez avoir plusieurs codes. Le truc, c'est qu'il faut que les codes soient déchiffrables. D'accord, donc c'est aléatoire. Voilà, oui, après, vous les mettez comme vous voulez. Le code, après, ce qui est important, d'accord, c'est que le code soit déchiffrable et qu'il soit de longueur minimale. Une fois que vous avez fait ça, après, le reste, ça n'a pas d'importance. Voilà, donc là, vous voyez les probas, si vous voulez. Ici, j'ai 0,027 pour ce caractère 0,063. 0,143, 0,147 pour celui-ci aussi, hein, donc 0,147. Et 0,343. Vous voyez, donc là, j'ai finalement 8 blocs issus de la source S3. Et je veux codant ternaire. Donc, il faut qu'il me reste 3. Il faut qu'il me reste, vous voyez, 3 symboles à la fin qui auront une probabilité totale égale à 1. Alors, ici, ça ne va pas être le cas. Il va falloir que je rajoute un symbole de manière à voir, vous voyez. En code en ternaire, il faut avoir un nombre égal à 3
plus deux fois quelque chose, donc deux fois un entier. Donc, vous voyez, j'ai trois symboles. Donc, il me faut du 3 plus 3 fois 2. Il faut 9 symboles en tout, vous voyez, pour qu'il reste 3 branches à la fin pour aller jusqu'à la racine. Donc là, on rajoute un caractère fictif pour coder de probabilité 0, du coup. Voilà, de manière à ce que vous ayez 3 branches quand vous allez à la fin pour faire votre codage, sinon il va vous manquer une branche. Et là, on commence à rassembler les caractères de probabilité ici les plus faibles et on va reclasser. Vous voyez, vous prenez ces 3-là. Voilà, vous calculez la probabilité. Ici, donc votre probabilité 0, 0, 63 et 0, 0, 27. Donc ça vous fait 0, 0, 9. Et puis on revient reclasser. Donc là, vous voyez, ça va tomber ici à peu près. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai remis le regroupement. Vous voyez, je le remets et ce regroupement-là, il va avoir une probabilité qui est intermédiaire. Et donc, je le reclasse de manière toujours classée par probabilité décroissante. Et puis, je prends les 3 prochains que je groupe entre eux. Donc, les 3 prochains, c'est ces 3-là. Voilà, je calcule la proba. Donc là, j'ai 0, 216. Et je viens reclasser. Là, je vais. Et donc le 0 de 116, je le remonte aussi. Je vais le remonter, hop, il va aller là. Voilà, alors, et puis toujours pareil, hein, donc les 3 de probabilité, les probabilités suivantes. Alors, j'ai quoi? Je peux faire les 247 avec le 0 de 116, voire prendre le 0, 9. Oui, non, là, j'ai pas fait, c'est pas bon ce que j'ai fait. Parce que j'avais le 0, 9 entre, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Hop, là. 9, donc ça. Non, j'ai fait une petite erreur. Ça c'est faux. Il faut prendre
les trois probabilités suivantes. Donc, vous avez le 0, 0, 9, vous avez ces trois-là, en fait. Vous voyez, on fait les deux 0, 63 ici, avec celui-ci. Et on vient recalculer, voilà, on vient faire ça. Là, je recalcule, là, ça fait 0,09 et 2 fois 0,63. Donc là, ça doit faire du 0,216. Voilà, c'est là, ça fait 0,216. Et là, je viens le replacer donc, ici. Monsieur ? Oui, je t'écoute. Je vous écoute. En fait, ce que je n'ai pas compris, pourquoi vous avez pris le 0 Parce que sinon, après, je ne vais pas me retrouver avec trois branches à la fin. Vous voyez, comme je vais coder en ternaire, il faut que je me retrouve avec trois branches à la fin. Donc, j'ai rajouté un caractère fictif, un 0. Parce que si vous, regardez, si vous les prenez 3 par 3, à la fin, il va vous rester que deux branches quand vous aurez terminé vos groupements. Non, monsieur, mais en fait, on prend toujours les trois probabilités minimales, c'est ça? Mais oui, mais sauf qu'à la fin, vous allez vous retrouver, si vous faites comme ça, avec trois, vous voyez, vous allez vous retrouver en prenant les trois de probabilité minimale. À la fin, vous n'aurez plus que deux branches. Mais ça ne fonctionnera pas. Merci. Mais le zéro ne convient… Le zéro, il va… Elle ne correspond à aucune valeur. Ben, il va y avoir un code qui va arriver sur le 0, mais vous êtes obligé de les grouper 3 par 3. Vous voyez, vous allez grouper 3 par 3. Ensuite, dans votre groupe, c'est comme si vous rajoutez une branche de plus. Donc, que vous regroupez 3 par 3. Donc, vous voyez qu'il vous faut, il faut que vous ayez un nombre de caractères au départ qui soit égal à 3 plus 2 fois K pour que ça fonctionne. Voilà, si vous voulez avoir, et donc pour avoir 3 plus 2 fois K, donc ça marche si vous avez en tout 9 caractères, donc il faut en rajouter un. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Vous allez vous retrouver, si vous faites ça, vous pouvez essayer. Si vous faites avec en commençant à grouper sur les sans rajouter, oui, à la fin, on va se retrouver avec uniquement 2. Ouais, à la fin, vous aurez 2. Alors, vous pouvez faire, si vous ne voulez pas faire comme ça, vous pouvez commencer à grouper 2 par 2 au départ. Vous voyez, vous groupez 2 par 2 au départ, si vous ne voulez pas mettre le 0. Pourquoi on n'a pas fait ça? Et puis, ben, pour que ce soit, pour qu'il y ait une espèce de symétrie, si vous voulez. Mais voilà, on fait comme ça, généralement. Pourquoi on n'a pas regroupé par 2? Voilà, sinon, ce que vous faites, vous les regroupez par 2, puis ensuite par 3 jusqu'à la fin. Mais bon, moi, j'ai mis mon caractère 0,0. Si vous voulez, j'ai un caractère de probabilité 0. Il va avoir un code, mais il sert absolument à rien. C'est pour que ce soit toujours qu'on fasse toujours de la même manière. Vous voyez, on prend 3 par 3, 3 par 3 jusqu'à la fin. Mais si vous voulez, vous commencez par 2, puis vous venez reclasser, puis après vous prenez par 3 jusqu'à la fin. Ça va fonctionner aussi. Bon, voilà, moi j'ai mis un code, un caractère fictif de probabilité 0. Voilà, comme ça je fais chaque fois 3 par 3 jusqu'à la fin. Voilà, donc après. Je prends les trois autres. Alors, donc là, j'ai 0,216 et là, j'ai les 147. Alors, vous voyez, on va prendre, on peut aller prendre ces trois-là, ici. Voilà, donc 3 fois 0,147, ça fait 0. 441. Et ensuite, je reclasse. Hop. Et ça vient ici, du coup, passer par-dessus. Là. Et puis là, du coup, c'est terminé. Parce que vous tirez celui-ci. Hop, vous regroupez ces trois. Là, et là, c'est terminé. La probabilité que vous avez ici, c'est 1. Donc là, vous êtes là, la racine de l'arbre, si vous voulez. Là, et puis là, vous distribuez les ABC et puis vous allez avoir le code qui va tomber automatiquement. Donc là, je fais. Je vais mettre ABC. Puis A, B, C,
ABC, vous voyez que ça permet d'affecter le code le plus court aux caractères les plus probables. Parce que le code le plus court, c'est ceux qui sont reliés directement à la... Enfin, les probabilités les plus hautes, c'est ceux qui sont reliés directement à la racine. Ils ont le code le plus court. Voilà. Et donc, du coup, vous voyez que ce caractère-là, ici, il est codé avec un B. Là, ici, j'ai un B pour celui-ci. Alors, celui-là a A. Ensuite, AB. Ensuite, AC. Et pour ceux d'en bas, donc C, ici, alors, moi, je le vise à votre CB. Celui-ci, c'est C. Et ensuite, alors, C, A, A. C, A, B. Et... C'est assez. Voilà. Mais bon, celui-ci, voilà, il n'a pas d'importance. Alors, vous voyez, vous avez, voilà, vous avez réalisé ainsi donc un code déchiffrable instantané, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun préfixe de code, voilà, qui est le code de notre symbole. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Donc, un code instantané. Alors, on peut calculer, vous voyez, la longueur moyenne. Alors, si on avait fait un code naturel, alors, vous voyez, si on avait fait un code naturel sans se préoccuper de l'entropie de la source, on aurait deux symboles, puisqu'on a un code ternaire, deux symboles pour 3 bits. Donc, le symbole, c'est ABC. Donc, 3 bits, j'ai besoin de 8 combinaisons. Et donc, avec deux symboles parmi trois, je peux faire les 8 combinaisons. Les deux, la puissance. Ouais, j'ai besoin de deux symboles. Voilà. Alors, avec un code compact. Donc là, on vient de faire un code compact. On va mesurer la longueur moyenne. Donc, j'ai un L3 moyen. Alors, vous voyez donc, pour le... Alors, j'ai le... Vous voyez le symbole de probabilité 0,343. La longueur de code, c'est 1. Ensuite, j'ai 2, etc. Donc 0,343, je fais la différence mathématique sur les longueurs de code, 0,343 multiplié par 1. Ensuite, donc là c'est fois 2, donc 2 fois... Alors, fois 0, 147 fois 2,
les 0,63, j'en ai un qui fait 2. Deux qui sont de longueur 3 et... Non, ils sont tous de longueur 3. Zéro soixante-trois. Donc la longueur elle vaut 3 et fois 3. Et ensuite j'ai du 0,027 fois 3. C'est ça. Alors, donc, voilà, 1 fois 0, 343. Ensuite, 2 fois 0, 147, mais fois 3. Et ensuite, alors j'ai en 0,63, j'en ai 1, 2, j'en ai même 2 de longueur 2. Alors, et un 3. J'avais oublié 0. Ouais. 0, voilà, 63, et puis donc ça va être bon. Voilà, on fait le calcul et ça fait 1,747. C'est-à-dire que, et en moyenne, ça vous fait 1 bit 747. Enfin, un 747 symbole, si vous voulez. Symbole de l'alphabet du code. Pour coder 3 bits. Et donc le L moyen par bit, voilà, et ça bouffait donc voilà, ça vous donne 1,57 divisé par 3. Donc 0,58 symbole du code par bit. Avec un code naturel, on aurait 2/3 hein, de symboles par bit, donc 0,67 par bit. Donc vous voyez qu'on est... on a l'information qui est comprimée. Donc en faisant ça, ça veut dire que si vous faites vous avez un débit binaire pour après, voilà, si on a du 10 mégabits par seconde, on déprime. Mégabits par seconde, on peut faire du 0,58 passer à 5,8 après ce transcodage, si vous voulez, à 5,8 mégabits. Voilà. Alors, est-ce qu'on a la limite? Alors, donc la limite, c'est le premier théorème de Shannon. Alors la limite, il vous dit que le premier théorème de Shannon, c'est HS avec le log en base 3, c'est-à-dire avec HS égale, donc là on compte sur 3 bits, hein, donc c'est somme sur I DPI log base 3 1 sur PI, ben donc de I égale 1 jusqu'à 2, puisqu'il n'y a que 2 bits. Ben donc la probabilité
Et donc ça c'est vraiment le L limite en fait. Voilà. Donc si je fais mon calcul. Log de 10, monsieur, non ? Ça, c'est la longueur limite, en fait. Ce serait la longueur limite. C'est ça, c'est oui, log de 3. Comment ? Oui, log base 3. C'est log base 3. Log 3, c'est log en base 3. C'est-à-dire que pour calculer, ici, donc je prends la probabilité du 0. Probabilité du 0, c'est 0. Non. Probabilité du 0, c'est 0,7, il me semble. Donc, je fais 0,7 multiplié par log binaire, enfin log base 3 plutôt, de 1 sur 0,7 plus 0,3 multiplié par log base 3 de 1 sur 0,3. Voilà, alors si je fais mon calcul. J'arrive à 0,556. Attendez juste, je vérifie un truc. Voilà, donc on arrive à une limite entropique. Hein. Donc ça, c'est la limite, on appelle ça la limite entropique. Ça veut dire bon, c'est le on ne pourra pas aller plus loin, hein, même si on regroupe les caractères lorsqu'on peut imaginer. Vous voyez, bon, là on est à 0,58, c'est pas nécessaire du coup de regrouper par 4 parce qu'on n'est pas très loin. Hein, 0,56 c'est vraiment le minimum, 0,58 symboles par bit. Voilà, donc on n'est pas très loin de la limite entropique. Alors, ce qu'on pourrait faire si on veut s'en approcher, ben, c'est encore plus, c'est faire une source. S4 voire S5, on groupe par 4 ou 5, et puis on va se rapprocher comme ça petit à petit, on va se rapprocher on refait un code compact et on va se rapprocher de la limite entropique. Après, ça va devenir assez compliqué. Voilà, donc on ne peut pas aller plus loin que ça et on est déjà à 0,58. Donc voilà, on va dire que c'est suffisant. Donc il est donc inutile d'aller plus loin que ça. Voilà, je vais m'arrêter là.